appelle, il y a personne. C'est leur problème après. Qu'est-ce que je te dis, hein? Heureusement que bon, au moins nous on travaille, hein. C'est quoi ces bruits? Je sais pas. T'as complété la fiche tout à l'heure en fait ou T'entends pas? les bruits Ouais, je crois que c'est peut-être le vent. Ouais, ouais, là Oh, dis-moi, qu'est-ce que ça t'as? fait un sacré vent quand même, là Qu'est-ce que ça fait t'as? beaucoup de temps là quand même. T'as rempli la fiche ou pas? De tout à l'heure. Quelle fiche? Mais la fiche, je t'ai envoyé un mail. Ah Mais oui, tout c'est vrai. Et je normal. dois noter Oh quoi? là là. Comme quoi, Oh, on c'était fera un dans sacré la trio. Hein. réparation. 50 $. Pour Libalas? Oui, bah ouais. Employé. Bah ouais, t'as oublié, hein. C'est ce qui te permet de faire d'avoir une prime, hein. Attends, mon lieu de Kefta, il est même pas là. Ah là 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 là, c'est qu'ils t'ont pas encore mis dans la fiche. Attends. Tiens aussi Oui, ça. bien évidemment, bonjour monsieur, comment puis-je vous servir? Bonjour monsieur, vous avez essayé de m'appeler? Ouais, j'ai essayé de vous appeler, je suis actuellement avec la personne que vous appelez il y a à peu près 2-3 minutes pour vous dire qu'on voudrait prendre un appartement et qu'on a beaucoup de flicettes. Ouais, bah si vous voulez, je peux vous proposer demain. Pourquoi demain? Si... Ah, parce que ce soir là, c'est pas possible du tout. Pourquoi? Bah, je suis overbooké, là j'ai encore des clients, et puis après je dois rentrer à l'hôtel. À minuit, vous aussi? Ouais. À minuit, vous rentrez à l'hôtel? Non, non, avant, 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 pardon. Avant minuit? Ah ouais. Et y a pas quelqu'un d'autre? Non, non, justement, là je vais recruter demain. Ok. Attendez, vous recrutez? Moi, je suis preneur de fou, hein! Si vous avez un CV, vous Ouais, me l'apporterez. c'est quoi? Envoyez-moi un mail! Je vous envoie Ouais. mon mail et puis ça Alors, marche. Mouloud. Dites-moi votre mail, allez-y. Point. Salut. Kefta. Mouloud, comment vous écrivez ça? C'est. Mouloud. Moulud, c'est ça? Oui. Mouloud.kefta, oui. Arrobase. Ouais. Discord, moi GG. Ça marche. Bah, je vous envoie un message et vous m'enverrez. Ouais, je vous envoie scellé de lettre de motivation, curriculum vitae. Je vous envoie tout, Pas mon de groupe soucis. sanguin, mes dernières affiches d'imposition, tout, tout, tout. Ça marche, monsieur. D'accord, monsieur? Pas de soucis. Au revoir, messieurs. Au On vous souhaite revoir. une Bonne agréable soirée. soirée. À vous aussi. Salam. Roya. Faut pas le Ouais, dire au Roya. patron. Non, non, t'inquiète. Bah, de On toute est façon, d'accord, hein. il y a que nous deux, donc. Ouais, je peux pas rajouter. Attends. Je vais appeler le patron, je vais dire oui, je peux pas mettre de nom. Je peux. Eh, mais tu le dis pas au patron, ça, hein. Sinon, je suis dans la merde. Il y a que nous Wallah, deux qui le savons, hein. ah ouais, que nous deux. Heureusement qu'on est que deux. Vraiment, Vandla, heureusement on est deux. Shizia, bonne nuit à toi, Shizia. Bon courage Vous pour demain. m'ignorez, hein, c'est pas grave, de toute façon, moi je suis turc et je m'en bats les couilles. J'ai pas besoin de vous pour exister. Tiens, une tulipe. Bah Ah, on peut y c'était. aller, il viendra pas. Non, mais y'a l'autre qui vient, y'a l'autre qui vient. Ah. Allez, hop, la chaise, elle est pour moi. C'est mieux qu'on reste debout en vrai, j'en ai marre de rester assis. Ouais, mais Je ça sent bizarre chez eux quand même. Hein. sais pas. Attends, je vais appeler Miskin. Imagine, parce que Osgur, je l'ai bloqué, on était dans le truc. Attends, j'ai même plus son numéro, ce gros bâtard. Bah moi je l'ai bloqué, mais du coup là je l'ai plus. C'est 171 740. Ah si, tu sais comment je l'appelais dans mes contacts? Tu l'as appelé Regarde, comment? Hein? Osgur fils des pites. Regarde mon téléphone, hein. Putain. Osgur Ah, fils des putain, c'est pites. normal, hein. C'est normal, il mérite. C'était lui une fois Oh, qu'on allô, mon a. pote! Ouais, Osgur, ça va? Ça va et toi? T'as fini de balancer? Ouais, et toi? T'es où? Ça va, frérot? Là, je suis avec deux fils de pute. Ah, où ça? Alors, je peux Parce pas que te moi dire, je t'ai bloqué, c'est. on était au garage, t'es où là? Ah, là, je suis. Je sais pas où je suis, hein. Vraiment, j'ai suivi quelqu'un et je suis dans un endroit avec deux connards, je sais pas ce que je fais là. Bah vas-y, pas. Nous on a l'agence IMO si tu veux. Eh, vraiment, frérot, je te conseille un truc. Vraiment, si un jour il t'arrive par la tête de dire ouais, je vais me faire une coupe de cheveux verte, bah le fais pas. Il y a vraiment un connard, il est dégueulasse avec. C'est vraiment faux de fou, hein. Ouais, c'est faux de fou. Mais t'es con quoi, on s'est vu il y a 2 minutes. Ah, c'est toi? Tu serais pas un peu con? Non, jure. Mais je savais pas, moi, c'était toi. Mais on s'est vu au garage quand tu m'as balancé, t'as dit oui, regarde lui pourquoi il est habillé en bleu, moi je suis en Ah non, blanc. non, je me souviens pas, non.
Je sais que c'est le gars derrière. J'avoue, pourquoi t'es habillé en bleu, toi, d'ailleurs? Attends, attends, on n'a pas fini avec cette histoire, là. Va voir le patron, voir le patron. Ah, Hamid, pourquoi il est habillé en bleu? Oui, moi aussi, je vais être en bleu. Un enfant. Hamid. C'est mon père, j'ai Hamid. Hamid. Oh, ça va, sinon? Ouais, ouais, en ce moment, avec Hayat, c'est pas facile. Ouais, c'est pas, c'est bon, pas facile, là. Et, je crois qu'il va prendre la voiture. Ouais, déposez-moi les gars. Allez, viens, dépose. C'est bon, je t'ai débloqué, maintenant je te vois. Tu vois quelqu'un? Ouais, 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 je l'ai débloqué. Les gars, attends, je vais le débloquer. Roya, Osgore, Osgore, on a fait une expérience sociale. Ouais. Et moi, je pense qu'on devrait pouvoir bloquer les gens qu'on n'aime pas. Oh, course poursuite. Vas-y, go. Pourquoi go? Ça nous regarde pas. Non, mais c'est de l'action. Ouais, c'est pourquoi go? T'es bizarre, toi, mon pote. Ouais, j'avoue que non, c'est des anciens réflexes. C'est pour ça. Ah ouais, les réflexes de avant. Ouais, c'était quand j'étais petit, ça remonte à la supérette il y a 2 jours. Mais Osgore, moi j'ai une question à te poser. Et qu'est-ce que tu fais de tes journées? Voilà, là j'ai été recruté mécano. Ouais. Et sinon, ça tourne, hein. Je fais des supérettes, je viens faire chier Hamid, ensuite je viens faire chier des gens et c'est tout, c'est ma vie. Toi tu fais des supérettes, toi? Ah, je suis un pro, ça fait au moins 20 jours que je me suis pas fait choper. Ah bon, toi tu fais des supérettes et tu te fais pas arrêter? Bien sûr. En moto. Toi ça se voit t'es genre personne fait des séparettes en moto. Alors là jamais, je prends toujours. Tu sais je l'ai fait avec quoi? J'ai fait avec ma Rhapsody, la Turkish Mobile. C'est quoi ta Rhapsody? Il est dans le garage de mécano là. Vas-y fais voir. Vas-y go. Je l'ai jamais vu. Tu m'avais volé une fois. Non je t'ai. Non vraiment. Regarde, j'ai volé tellement de voitures. Ah bah ça va alors. Vas-y viens je te montre. Oui, c'est la vie, je la vis comme j'en ai envie. Yanis, ça va Yanis? Pourquoi moi je suis blanc là? Un Rhapsody? Mais c'est quoi une Rhapsody? C'est comme celui de Jibril. Get pas, wesh. Ah ouais, lourd ta Rhapsody. Ah ouais, mortel. J'ai l'impression que même sa voiture l'a bloqué. Ah ouais, mortel la Rhapsody. Bande de bâtards. Mortel. Du coup, tu l'as acheté dans tes rêves, c'est ça? Elle t'a coûté combien dans tes rêves? Ah vraiment, pour là, attends, mais j'avais aussi. Attends, je suis toujours mécano, dis-le moi, je suis mécano, Kefté. Bah, si tu gagnes 80$ par jour, ouais. Attends, frappe-moi, c'est un rêve ou pas? Faut que je sache. Ah bah, fallait pas me le dire deux fois, rien. Ah c'est bon? Ah non, c'est pas un rêve, mais il est où mon véhicule? Bah, tu te l'es fait voler, regarde. C'est quoi Mireille? C'est quoi? Kefta? Ouais, regarde. T'as combien en banque? J'ai rien, j'ai plus rien. Non, ça. J'ai 1200. 1200? Tu ouais. Fous de ma gueule en plus? Attends, je regarde. Ah, j'ai rien, non mais c'est vrai, j'ai rien en plus. T'as rien de chez rien? Non. Pourquoi? Bah, c'est pas grave, t'as 1200. De quoi? T'as 1200. Ouais. Vas-y, bah tu vas me les donner. Pourquoi? Bah pour Limo. Mais il est là, déjà est-ce qu'il est là? Il arrive. Il arrive où? Vas-y, viens, il finit une vente et il est vas-y, là, viens, let's go. Vas-y, go. Le nom de l'ancienne voiture à Djibril. Ah, j'ai pas connu. Ah, j'ai pas connu les frérots. J'ai pas connu l'époque Djibril, DiCaprio. J'ai gagné un incroyable talent. C'était quoi ton talent? J'ai chanté une musique turque. Vas-y, fais voir. Alors là, pas besoin de me le dire. Tu connais Ibrahim Tetlicit? Ouais. Vas-y. Mais je connais pas trop ses musiques, hein. Non mais, c'est où l'agent Simo? C'est à droite là? Ouais, c'était là. Ah mais c'est là. Ah ok. Ah ça va, allez, c'est à côté de nous. Rentre dans le garage là, en bas à gauche.
te plaît, regarde Minos, c'est trop bien. J'ai jamais regardé les DiCaprio et tout et tout et tout et tout. Vous avez regardé vous? C'est trop long. Dégaine avec mon truc de... Incroyable talent. Incroyable rien. Talent turc, vas-y. J'ai gagné 700$. Ah, quoi? De quoi? Wesh. Des fois je... Allo. Mais j'ai une vraie voix d'autotune en fait. Ma voix naturelle est extraordinaire justement en fait. Acheter ou louer justement un appartement qui pourrait justement peut-être m'avancer dans les biens immobiliers. Vous avez combien en banque? Attendez. Non, moi j'ai 7100, pourquoi? 700. 7100. 7100. Ouais, ça va être compliqué. La base du RP. Ah ouais, carrément. Attends bien, on a un IMO qui la base du RP, carrément. Oh là là, c'est incroyable. Vous les avez sur vous ou faut aller retirer par contre? Oh non, il faut que j'aille retirer. Eh bah allez, si on vous attend. D'accord. Avec Bachir, j'aurais pu faire un bon truc, sa mère, mais vas-y. C'était chaud. Pour donner c'était chaud. L'impro au personnage. On s'en bat les couilles. Quand même, non? Vous voulez que j'enregistre quoi comme phrase, les gars? Parce que j'ai travaillé, c'est pour ça. Comme par hasard. Hein. Tu sais quoi? Regarde, Kefta. Y'a pas de galère entre nous. C'est... T'es la famille, je suis la famille, t'es mon frère, je suis ton frère, c'est... non? Kefta? Ouais, attends. Allô? Oui, bah oui, bonsoir, monsieur, j'aurais besoin d'un petit remorquage, s'il vous plaît. Vous avez besoin d'un petit remorquage? Ah, s'il vous plaît, oui. C'est pour remorquer quoi? Et une moto. Son gros fiac. C'est pour remorquer une moto? Ouais, c'est ça. Oh non, Osgore, on parle pas comme ça au client. Parce qu'il y a Osgore, il a dit votre gros fiac, monsieur. Mais pardon du coup. Osgore est au courant que mon fiac est énorme. Ah bah c'est. Je sais pas. C'est. Osgore, le mec, il a dit comment tu sais que son fiac est énorme? Ça se voit à sa voix, frère, je l'entends parler. Il a dit ça se voit à ta voix, monsieur, t'entends parler. Bon, mais écoutez, ce monsieur Osgore est quelqu'un de très fort. Non, très perspicace. Arrête. Vous avez fait un appel là, tout de suite? Non, je vais le faire, c'était juste pour rappeler. Parce que là, il y a un appel qui a été fait, si ça m'en soupe, vu qu'il a appelé juste avant vous, on va le voir lui, après on va voir vous. Sinon, au pire, on est trois, il y a Osgore, il va venir, refaites un appel. Très bien, je veux, oui, Osgore. C'est bon? Ouais, merci, monsieur. Non, Bachir, c'était une grosse histoire quand même. C'était stylé. Ah oui, c'est bizarre quand même. C'est bizarre quand même. Attends. Salut. C'est bizarre quand même. C'est stylé l'enregistrement. T'inquiète, je l'ai loué. Bachir a eu une mort RP. Non, il est pas mort, Bachir. Il est parti. Il s'est barré avec Isis. Hamid. Ok, du coup, il y a combien d'appels? Il y en a deux. Mais attends, mais il est où? Mais pourquoi je monte à... Il est où? À 10 km! Sur la tête de Ham. Repose-moi là-bas. Vas-y, c'est bon, c'est notre travail. Laisse-moi tranquille. Moi, mon travail. Mon travail. Mon travail, il est clairement pas sur. Il est clairement pas à 10 km mon travail, laisse-moi tranquille. Attends, boum. Voilà Hamid, il vient pas, je te dis ton pote, il va pas venir. Bah de toute façon, il a dit, il m'appelle quand il est là et t'es pas prêt à voir, il est où l'appel là? Ah, 10 km. Oh non, c'est mais... C'est bon ou pas? Mais arrête, c'est marrant! Arrête la musique! Non, j'en peux plus de lui. Non, mais c'est incroyable. Bah, attends, mais t'as la radio, wesh. C'est pas du tout le qui est. Ouais, bah non, c'est bon. Toi, t'es clairement pas un vrai Turc. Pourquoi? Parce que t'as mis Jet Arcane. Et alors? C'est comme si je disais que...
J'étais chinois et je mettais du bracelet, ça n'a pas de sens. Mais pas du tout, Tarkan c'est turc. Oui mais voilà, c'est la base en fait des turcs. Un vrai turc il m'aurait fait écouter un vrai truc turc. Ah tu veux que je te fasse un vrai... Mais après, vas-y, ok t'inquiète. Je sais. Laisse-moi non, faire mais mon DM. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? En fait un vrai turc il te fait pas écouter du Tarkan, il te fait écouter autre chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, bonjour monsieur. Non, j'attends mon pote. Vas-y, dis qui est ce boss. C'est à toi, c'est Enrique. Mais non, c'est... C'est quoi cette voiture de merde? Mais c'est pas moi, mais qui est-ce que tu... Ah, j'ai eu peur. Mais pourquoi t'as suivi comme ça? C'est à qui, ça? C'est à lui. Ils sont bien, mes cheveux, non? Vas-y, on a un appel. Ah oui, haha. Vas-y. Mais regarde, on est combien de mécanos? Mais là, vite moi, attends, je vais me changer, wesh. Ouais, on est 50 mécanos. C'est rien qu'on soit autant. Comment on l'enlève? Comment on enlève? Ah. Allez hop. Là, je suis mieux là. Wesh! C'est mon véhicule, monsieur. Ça, c'est son véhicule, ce mytho! C'est vrai que tu faisais partie de la génération. Qu'ils ont tous suicidé sur Ad Astra? Quoi? J'ai pas joué sur Ad Astra, moi. Moi, Ad Astra, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi, frère. Oh, tu sais que je vais le surfacturer, lui. Eh hey, lui on l'allume sa race. Ah ouais non 150$. Eh hey, on l'allume, eh hey, mais on le déboîte. 500. Ouais Pékin ce soir, ouais Pékin. 500 c'est bien non? Heureusement. Combien? Bien sûr 500$. Minimum. S'il est sympa. Ad Astra c'est trop sérieux pour toi. Voilà, c'était même pas sérieux, c'était pas intéressant. Casse comme la RP. Tête. Vous étiez 20 d'un côté et 20 de l'autre, bah, il y avait un mec devant qui parlait et les 19 autres qui étaient autour. Ça en est où? Ouais, ça va. Bah ma femme, c'est beau, ça s'est arrangé. Bonne nuit, Zaiko. Vous avez trouvé quoi comme compromis? Je garde un gosse, 1 heure sur 2. 1 heure sur 2? Ouais. D'accord, mais un seul. Ouais, ok. J'en ai 8. Ah, les armes, tu tournes en fait. Ouais, j'en ai un, il s'appelle Zizou. Ouais. J'en ai un, il s'appelle Quaresma. Ok. Lui vient d'une autre meuf, mais ma femme, elle le sait pas. Oh, c'est pas grave. Non, mais elle le sait pas, ça compte si elle le sait pas. Mais c'est pas elle qui a accouché? De quoi? C'est qui a accouché? C'est ta femme? Non, c'est pas elle. Ah. Bah, mais elle le sait pas. Okay. En fait, il y en a tellement à la maison qu'elle sait même pas. C'est à moi celui-là ou pas? Je me rappelle plus. Ah, il y a Zizo, il y a Quaresma, il y a le petit Harouf. Et lui, ouais. Il casse les couilles. Il est tout le temps en train de chanter. Il chante que de la merde toute la journée. Ensuite, il y a le petit Abdel. Lui, en ce moment, il a des problèmes avec les meufs. Mais ça va s'arranger, Inch'Allah. Si pas, un jour il est avec une meuf, un jour il est avec l'autre, un jour il retourne avec l'autre, après il retourne avec l'autre, il sait pas trop ce qu'il veut, tu vois. Problématique quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite il y a Jawed. Lui il a des tendances très trop bizarres en fait. Quoi? Qu'est-ce qui se passe bizarre dans le... Non mais lui je le surveille de près, je vais pas dire les choses mais je le surveille de près. Il y a NS. Ok, NS, ouais. Oh, le petit NS, lui il me fait peur, il a 4 ans, il a déjà une calvée. Lui, je vais le ramener en Turquie. À 4 ans, c'est abusé, j'ai jamais vu ça. Ça c'est donc, bizarre, peut-être ses cheveux ils ont pas poussé. À 4 ans, il y a une calvée, comment c'est possible? À 4 ans, ses cheveux ils poussent pas. Oui, allô? Non, le harak, je veux me quel.
Attends, pose-toi, on m'appelle et on me raccroche au nez. Moi C'est qui t'a appelé, Zarma? Ah, c'est Osgore fils d'Epit. Vas-y, il t'a bloqué, Zarma. Ouais. Genitéo là. NS. Ah, j'ai reçu un message de Khanez. Ouais. Attends, il m'a dit salam. Je vais l'appeler. Vas-y. Je vais dire, rendez-vous Imo. Dans 10 minutes. Même si c'est pas vrai. On rigole. Ensuite, ensuite il y en a un lui c'est le petit dernier. Il s'appelle Rémi mais il est trop bizarre. Attends deux secondes Kefta. Ouais je te parle sale bâtard va. Ouais mais attends deux secondes. Ouais je suis avec Kefta, rendez-vous dans 10 minutes agent Imo. Tu feras du Bachir sur la scène. Bon dans 10 minutes mais peut-être un jour je sais là, pas frérot. On est au nord, on est en train de faire une intervention. Et après on va s'acheter un appart. Intervention. Ah, t'es pas au courant, toi? Kefta, il est mécano maintenant, c'est le meilleur mécano de la ville. Eh, c'est. Non, faut pas lui dire, Il va être jaloux, c'est. Il va être jaloux, c'est comme ça chez lui, là, dans son pays. Je répare un véhicule, et après. Faut pas ressortir Bachir, ouais. Ouais, on descend mécano. Il a une bonne fin, hein, Bachir. Il y en a deux. Vas-y, à tes suites. Excuse-moi, c'était Khanes. Ouais, ok. Pourquoi il faut pas lui dire qu'il va être jaloux? Ouais, ils sont comme ça, les mecs. T'es grave, pourquoi lui, il a pas besoin de travailler? Je sais pas. Ah, il m'appelle, attends. Ah, vas-y, c'est le pit. Vas-y, c'est le pit. Allô. Tu parles à qui? Allô. Ouais, tu parles à qui? Poste-toi. Je parle à personne, pourquoi? Ouais, ça va ou quoi, mon pote? Ouais, ça va et toi? Comment ça t'es mécano, toi? Toi, t'es devenu mécano, enfoiré, mais qu'est-ce que t'as dit? Comment j'étais mécano? C'est Hamid qui me l'a dit, mon pote. J'ai parce que j'ai fait un stage de réinsertion et m'ont réinséré, ouais. Ah, ok, donc ouais. Tu restes pas mécano? Non, j'ai demandé agent Simo, là. J'ai demandé agent Simo. Agent Simon, c'est qui celui-là? Simon, c'est. Simon. Ouais, Simon. Okay, il a quoi comme agence, Simon? Simon, il a l'agence. Il a l'agence. L'agence de quoi? Il fait quoi l'agence? L'agence. L'agence de quoi? Bah, l'agence. L'agence de quoi? Vas-y, ok, je suis chaud, vas-y, on va voir Simon là. Vas-y, on agence des trucs et tout, on peut trop bien agencer les trucs. Vas-y, Et genre, Zerma, il y a des gens. T'as fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui? Ouais. J'ai travaillé un petit peu. T'as travaillé là quoi? Là, on est à Blaine County! J'en ai marre, Roya! On est loin! C'est un taf de merde! Putain! Mais je t'avais dit, Roya, de pas être embauché! Okay. Je t'avais dit, on est à Blaine County! Y'a un appel et y'a personne à l'appel! Voilà, dédicace à BC, Roya! Putain, les fils de pute! Eh ouais, du coup, t'as fait quoi aujourd'hui alors? Tu t'es réveillé, du coup, et tout, aujourd'hui t'es parti au mécano. Je me suis réveillé, je suis allé au mécano, j'ai refait normal. Mon entretien, j'ai voilà. Fait un braquage des cyperettes. Alhamdoulilah. Avec. J'ai fait un petit braquage des cyperettes. Sans moi. Mais c'était bien. La voiture du chef. Ah, bien joué. Ah ouais, il y a de l'ambition, c'est pas mal. C'était la voiture du chef de Marquez. Vas-y. Et après, bah là, on cherchait un agent IMO. Tu vois, un agent immobilier pour se prendre un appartement. Tu vois là où il y avait l'hôtel là. Je sais pas s'ils font pas de la location d'appartement. On va prendre un hôtel, Roya. Mais non, on va louer dans l'hôtel. Ah. Parce qu'on a pas d'argent. Comment c'est... Bah, toi t'as pas d'argent, ouais. Eh, au fait. Ouais, au fait, toi, tu dois combien à Hamid? Tu dois combien d'argent? Combien de milliers de dollars? Tu dois combien de milliers de dollars à Hamid? Je lui dois pas grand chose, pourquoi? Je crois dans les 6500, il m'a dit, Mskin, il est dans la galère! Et je lui dois 6. Ouais! Moi, je t'ai passé 10 000! On est où? On est. Ouais, vous êtes dans la merde! Non, toi t'es où? Roya, je suis au PC, Roya, terme technique, le okay, PC! Ok, on arrive, on a Blaine County! Comment ça, on arrive, on a Blaine County, Roya? C'est comme si tu me dis, je suis à Marrakech, j'arrive à New York! Ouais, j'étais fou ou quoi? Mais c'est à côté! Ouais, c'est loin, croyant, avec le crèche-chacha que vous avez là! Ouais, mais non, mais ce serait bien de se prendre un appart, ça! Ouais, pour ouais, mettre les trucs dedans et tout, comme ça on est tranquille! Vous avez appelé un agent ou pas?
Ouais, mais apparemment, il y a un agent, il dit à Hamed, oui, depuis une heure, mais Hamed, il se mange des plans galère. Vas-y, tu sais quoi, moi je vais le. Bon, venez, on le contacte et après on se trouve un appartement, vas-y. Vas-y, vas-y, Yallah. Yallah, salam alaikum. Et on arrive au PC. Soit PC, soit tu viens au mécano. Vas-y, go mécano, go mécano. Vas-y, vas-y, t'es sweet. T'as dit quoi, croyant? Bonsoir, monsieur Limo. Vous êtes en bas, bah écoutez, moi j'ai dû aller dans une. Je suis là dans deux minutes, d'accord? Vous prenez personne, vous m'attendez. Y'a pas de soucis, ok, à tout de suite. Ok, c'est bon, il est là-bas. Il est où? C'est l'âme. Ok, tu m'entends? Ouvre bien tes oreilles. Ouais. Ok, l'agent Simo, il est déjà à l'agent Simo. Il est en bas. Il faut que tu le réceptionnes. Prends la clé et tu nous attends. Vas-y, mais je sais pas où est-ce qu'elle est, moi, l'agence. Bah, demande. Ok, vas-y, je vais. Normalement, ça va être bon. Tu veux pas qu'on vole une voiture plus rapide? En vrai, et puis celle-là, je fais un appel fourrière. C'est ça? Je fais un appel fourrière pour celle-là. C'est long encore là, parce que regarde, t'es vraiment long. Mais c'est pas que je suis long, c'est le canon qui est long. Je peux pas. Merci Bigorno pour le 7 de points, frère Smile. Sesco, ta cour demain au lit. Oh non, il est 23h59. Vas-y, il peut si encore. Tu veux, on peut prendre un véhicule. Et franchement, pourquoi tu fais partie encore de ceux qui suivent le GPS pour aller à Blaine County et toi? Oui. Tu continues sur l'autoroute, on était déjà arrivé, Roya. Tu sais quoi? J'en ai marre. Tiens, tu roules. Et elle va mourir, mon âme. Viens, on lui vole sa voiture derrière. Et elle va mourir, mon amour. Vas-y, mets une étiquette fourrière. Yallah, on se casse. Ah, voilà, j'en pouvais plus. Mais allez, j'ai l'occasion. Roi, c'est une maman. Elle était stylée, le combo. Ok, t'as pas. Voilà, lâche bien. Ah putain, oh laisse tomber, tu sais vitesse de pointe, 120 km/h. Ah. Qu'est-ce que tu vas faire? L'autre là? Ouais, l'autre. Là je suis à 120 là, mais je suis en montée. Ouais, voilà, moi 120 c'est en descente. Minuit, Sesco. Ah ça fait du bien. Sesco, bon, allez, si je te vois parler encore, je suis obligé de te ban. Hein. Il est minuit. Eh, t'as le numéro Aliab, je vais l'appeler. Aliab. Ouais, dis-lui d'aller dormir. C'est quoi son numéro? Je l'ai pas. Ouais, je l'ai. C'est quoi? Donne-moi son numéro. Vas-y. Comment il s'appelle? Liod. Liod. 38 30 90. Ouais, c'est bon. Tu l'as? Ah ouais? Je l'ai pas son numéro, je l'ai appelé comment? C'est bon, il est parti dormir. Ah, j'ai eu peur, hein. Peut-être il a pas voulu te répondre, c'est un flit. Non, je pense pas. Allège, pourquoi? Je sais pas, peut-être il a pas ton numéro, hein. Y'a le babour, y'a mon amour, je n'aime l'envie. Tu trouves que je chante bien? Si demain je vais à Pékin Express, tu penses que je vais bien chanter? Et pourquoi tu veux chanter à Pékin Express? Je sais pas. Mais non, justement, Pékin Express, c'est Zahmat, tu dois visiter tout Pékin. N'importe quoi! Mais dans Pékin Express, tu dois visiter tout Pékin. Bah ouais, avec un minimum d'argent, je crois, non? Bah ouais. Je crois que c'est 1 euro ou 1 dollar ou 1 livre sterling. Oui, c'est ça, par jour. Mais bah ouais. Tu dois pas visiter toute la ville. Bah tu dois pas chanter non plus. Mais pourquoi tu... Je sais pas, en fait. Comme il me disait, Khanis, quand on était petit, t'es différent de nous. De nous tous. Oh, j'ai envie de lui voler sa voiture. Viens, on va déjà à l'agent. T'as mis à l'agent Simon là? Ouais.
Ouais, voilà, non, parce que là, ça, j'en peux plus, moi. C'est tout sauf à Pékin. Il nous attend. Non, nous Halib, attend c'est pas Tobias, Halib. Halib, c'est Ben, les gars. Hé, Kefta, t'as vu, tu me devais 6500. Ouais, je vais. Bah là, je les ai. J'ai... Ouais, bah ouais, pourquoi ben, c'est quoi? Garde-les, c'est pour moi. Non, 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 je vais te les rendre. Mais c'était pas là, c'était là. Attends, c'est même pas c'est où l'agence, c'est moi. Mais si, c'est en haut. Mais non, c'est en haut là-bas, toi, t'as mis à gauche. Mais non. Ah ouais, bien vu, putain, je suis fatigué, ok. C'est pas grave, frère. Non, je vais te les rendre, mais j'arrive. Ah, c'est bon, regarde, c'est pour moi. Attends, il se passe quoi? Allo, Roya, Roya, je suis à l'agence immobilière. Ouais, nous aussi, on arrête, on est en bas là, on se gare. Écoute, écoute, y'a plus d'appartements, y'a que des grosses villas. Arrête tes conneries. Y'a que des villas à 2 millions. Mais je rigole. Oh, oh j'ai peur. On arrive, on arrive, on arrive. Vas-y, à tes suites. Non, je n'ai pas, c'est pas ton bien. Bonsoir. Ça va 93. Bonsoir. Oui, oui, ça. Et ça y est, ils sont partis. Regarde, on dirait ça. Ah ouais, c'est toi, c'est pour ça. Non. Je fais la vente. Écartez-vous. Oh madame, comment t'es moche. Mais c'est que je suis moche, je suis pas belle. Ouais, bah c'est... Je fais sa vente et j'arrive. Attends, mets-toi à côté de moi. Combien de temps? Même pas plus de 5 minutes. Attends, vas-y. Attends, mais attends, voilà, là, bouge pas. Écartez-vous, les gars, écartez-vous, ce qui va vous écraser avec une... Oh bon dieu. Après, je suis un peu plus mec que vous quand même. Vas-y, nique sa mère, écrase-les. Madame, si vous pouvez mets-leur un coup de pare-choc, ça va les calmer. Hayat, voilà. C'est toi. Ah putain, vas-y, on y va. Viens, viens, on y va, il est en haut. Ah, je suis mort. Vous êtes monsieur Pasquali. Bonjour, ouais, Pasquali. Bonjour. Laisse tomber. Il est... Tu l'as pas vu, il est en bas, il a dit ouais, j'arrive dans 5 minutes. Mais non, il est là. Non, ça, c'est ouais, ça va pour les mecs. Eh, t'as vu en bas, il y a une fille, on dirait moi. Je l'ai pas vu. Ah oh. C'est une marocaine. Aussi. C'est bon. Ouais, elle a des grosses hanches, Roya, grosses fesses, c'est une marocaine. Elle a des grosses hanches et des grosses fesses, c'est une marocaine. Direct. Oh, okay. Elle a un visage, elle a un double menton, Roya. C'est le loubia. C'est l'Adès, Roya. Ah, ok, l'Adès. L'Adès ou le Mloukhia. Les deux. Tu connais le Molochia, Roya? Roya, bon courage. Tadé, ça c'est bon, c'est lourd, c'est ok. Vas-y, mais... ils vont faire une vente et puis ils arrivent. Ouais, 5 minutes, il a dit. 5 minutes en plus. Venez. Nrouno, le bureau. Ah lâche, mais non. Il veut foutre le bordel dans le bureau, pourquoi? C'est la salle d'attente, pardon. C'est la salle d'attente ici? Non, en fait, on est en train de signer un bail. Oh, ça va, les gars, ou quoi? La Play 5. Ah, bah, ça y est, on a déjà payé. T'en as trouvé? Je bien. Wouah, Spider-Man! Stylé de fou! Ah, ouais, vu qu'il y a Spider-Man. Waouh! Ah, ouais, ce qui calme. Incroyable! Non, c'est personne n'a allumé, c'est juste qu'il fait nuit dehors. Ouais. C'est un allumage automatique, je crois. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais. Eh, viens dans ton accent, toi! Allumage automatique. Putain, mais tu te fous de ma gueule là! Non, je demande, il vient de ton accent! Il se fout de ma gueule là, clairement! Oui. Tu peux demander sans. Tu vois? Manque pas tu peux dire, ouais, il vient de ton accent, voilà. Ça fait. Ouais, ça va, vous êtes bien sortis hier les mecs? Ouais, t'inquiète, je me suis pris une balle moi! Ça va, c'est rien! Où ça, tu te l'es prise? Je me la suis prise dans le bras! Oh le pauvre! Dedans le bras ou à l'extérieur du bras? Le gras! Dans le gras? Le bras, ça a tiré dans le bras. La balle, elle est passée, m'a dit le docteur. Kefta, t'as raté un truc hier, mon pote. Et c'est passé quoi? Hier, il y a eu des courses. Il y a eu un cache-cache à 10 dans un bichon. La police, ils ont tiré sur nous. Il y a eu des coups de batte de baseball, mon pote. De baseball. C'est vrai? Il y a eu des pénalties en plus. Il y a eu des pénalties dans la tête. Tout ça dans la même soirée. Tout ça, regarde, en une demi-heure. Dans les 10 minutes qu'on suivit. Et au final, on s'est tous fait tirer dessus, on s'est tous sauvés. Ouais. Mais bon, t'inquiète pas, regarde, la technique du buisson, on la maîtrise depuis 1955, incroyable. Oh, on était 10 dedans. Ça mettait des dents dans les queues comme ça. C'est qui qui a balancé un fumigène dans le buisson? Non, on dirait que c'est l'accent. Oh, c'est l'accent du sud, c'est tout. Oh, mais il y a qui va et qui offre ça. Alors, vous allez prendre quoi comme appartement? Un appartement de luxe. Jure! Combien ça se passe, ce travail de bureau? 1500 semaines.
Ah, c'est location, vous l'avez pas ça acheté. Ça se passe boulot, l'ancien modérateur. J'ai jamais vu modérer, mais... Il est comment ça s'appelle? Eclipse Tower, je crois. Oh, c'est pas mal, ça. Ouais, vu sur la mer et tout. Vous allez le prendre à combien? À 4. Ah, que des sgegs. Ah bah non. Allez, ouais, on prend un appart à 4 sgegs. Il n'y a pas une seule meuf. Bah ouais, vous êtes venu faire quoi? Bah nous on va racheter l'agence immobilière. Oh, attends, regarde, j'ai loupé un épisode là. Ouais. Comment ça tu vas racheter? La dernière fois qu'on s'est vu, t'avais un dégradé avec la même couleur que moi. Ouais, mais entre temps, Roya, j'ai step up. J'ai mis deux bottes de baseball dans un flic. Du coup, je dis, vas-y, hop, couleur allez, sans game. Allez, Sangwan, allez, Sangwan. Direct. Non, mais tu vas vraiment racheter l'agence. Non, t'es malade du coup. Non, tu vas acheter une maison du coup. Tu veux qu'il rachète l'agence? Non, je vais acheter un truc éclataxe de fou juste pour ramener des meufs. Et en fait, ça veut dire quoi, les mecs? Regardez la stratégie. Si la meuf, elle accepte de rester avec toi dans un appart éclaté, c'est que c'est pas une michetonneuse. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut rien dire. Ah ouais, ça veut rien dire. Écoute. Et après, Zarma, c'est comme une sorte d'appartement témoin. Et après, une fois qu'elle est casée, vous êtes casé, vous l'emmenez dans le vrai appartement. Et là, tu dis, voilà, bébé, c'est ça ton vrai cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais! Tu es un mec tarpé intelligent, toi, dans ton tête. Il y a un petit peu. On est là. Après, je sais pas, après. Mais tu crois vraiment à toutes les conneries que t'es en train de dire, Roya, là? Roya, j'ai vu trop de commentaires sur Netflix, parle pas avec moi, Roya. Parle pas, si tu veux, parler de culture générale, Roya, on peut parler, Roya. Roya, j'ai élaboré une thèse par rapport à la méchetonnerie de la femme. J'ai fait top 1 en tendance YouTube par rapport à ce sujet. Vas-y, on t'écoute. Et moi, je peux te dire que c'est pas parce que t'as un appart de merde qu'elle va pas te méchetonner. Quoi? Mais elle peut pas méchetonner si j'ai pas d'argent. Mais non, mais justement, non. C'est pas parce que t'as un appart de merde qu'elle peut pas te méchetonner. Vas-y, ok. On va dire, tu vis dans une cave. Vas-y. Tranquillement, tu vis dans une cave. Ok, je vais dans une cave. Mais t'as de l'argent peut-être à côté. Qui dit que tu vas pas dans une cave pour ne pas montrer que t'as de l'argent? Si la meuf c'est une mechto 5ème dan, elle va le savoir, Roya. Ah ouais, mais Roya, pour tomber sur une 5ème dan, faut dire qu'elle soit ceinture noire, Roya. Et pour être ceinture noire, ça veut dire qu'elle a des années de michetonnerie. Ça veut dire que tout le monde la connaît. Ça veut dire que tout le monde la connaît. Roya. La dernière fois, je me rappelle quand j'étais petit, c'était en 1940. 40? Mais non, attends. Ouais, j'étais à Islander, toi, ou quoi? Non, mais immortel, c'était lui. En 1981. Ah, je me rappelle, ouais, j'avais 40 ans déjà. Ouais. 1981. Du coup, en 1981, je suis tombé sur une femme de 24 ans qui était 6ème dan en michetonnerie. Attends, t'avais 40 piges, elle en avait 24. Ouais. C'est pas bien. Voilà, c'est mérité. Voilà, c'est mérité, Roya. Comment ça, c'est mérité? Ça veut dire Roya, quand t'avais 16 piges, elle venait de naître. Ça veut dire à l'âge de 2 ans, t'avais 18 ans. Ça veut dire à l'âge de 2 ans, t'arrives, j'ai dit, il m'intéresse beaucoup ce bibi là. T'es sérieux? Tu me dégoûtes, Roya? Ouais, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Mais n'importe quoi. Roya, c'est grave. Hein. Mais n'importe quoi. Faut se dire quoi? Faut se dire, là, aujourd'hui, j'ai 40 ans, elle en a 24. Faut pas te dire, quand j'étais petit. Je savais pas que t'étais philatéliste, Roya. Ça me dégoûte, hein. Je savais pas que t'étais philatéliste. C'est-à-dire quoi, philatéliste? C'est un mec qui aime les bébés, quoi. Ah! T'es malade ou quoi? Bah oui, tu les collectionnes, Roya, comme des timbres. Wow. C'est abusé, hein. Des papyrus. Oh là là. Ouais, des papyrus. Il a tout dit, des papyrus. Comme des papyrus. C'est comme les. Non, j'ai jamais collectionné les papyrus, moi. Bah faudrait... Attends, il est disponible, monsieur, là, c'est ou pas? C'est quoi des papiers russes? Il est en train de finir. C'est des papiers qui sont russes, en fait. C'est des papiers russes? C'est des papiers qui viennent de Russie? Mais moi, j'ai dit des poupées russes. Bah, c'est des poupées qui viennent de Russie. C'est des poupées qui viennent de Russie, aussi. C'est tout, hein. Et les papiers russes, c'est des papis, c'est des vieilles personnes, tu vois. Ah, des papis, genre papis, genre la vieille, le vieux. Pas des pupilles russes. Pas des pupilles. Oh, les gars, faut que vous alliez chercher les clés. Ouais, vas-y. Okay, on va chercher les clés. Ouais, on va chercher les clés. Oh, on va ramener. On va investissement. Pas l'investissement. Voilà, les gars. T'as raison, Roya. C'est quoi? C'est toutes les semaines, les enfants? Ouais, c'est une fois par semaine. Mais tu fais exprès. Smile, merci beaucoup d'offrir un sabbat. Félicitations, les mecs, si vous voulez. Qui connaît Grim Joe dans le chat? Mais là, il y a un mec. Il y a une soirée. Mais vas-y, c'est un arabe, il va ramener de la chicha et de la weed. Non, c'est un condé. C'est un condé. En plus, je vais pisser dans son salon.
Là, il est blindé. Un condé, mais on y va, c'est où? Ouais, t'inquiète, j'ai l'adresse. Attends, d'abord, on prend un appart. On prend une cabane, Oh, une cabane. Donne l'adresse. Vous allez mettre du temps, C'est mais bon, non, Jibril il m'a envoyé, Mais de toute façon, c'est, c'est une soirée, ça, ça dure toute la soirée, c'est normalement. Normalement. Ouais, mais une soirée dans un appartement à 4, c'est pas beaucoup une soirée. Non, je non, dites-lui, on va, dites-lui d'attendre, on va ramener des meufs et tout. On arrive, Pourquoi? Bah, parce que c'est un flic. Mais alors, ça veut rien dire. Ouais, mais il nous a arrêté plein de fois, ce gars. Non, mais c'est quel flic? C'est quel flic? C'est Ben Barmec. C'est qui Ben Barmec? Ah ouais, tu m'as envoyé Mustapha. La position GPS. Bon. Mustapha, Ben Barmé. C'est qui celui qui voulait se suicider tous les jours avant là? Je sais pas, c'est un blond. Il se la pète. Il a une calvitie. Ouais, il a des paires de blonds. Il a pas de calvitie. Ah merde. Ah ouais, je l'ai eu. Mais tu peux être blond avec une calvitie. Bah non. Incroyable. Comment tu peux parler au monsieur? Bonsoir monsieur. Ouais, moi aussi, je vois bien l'explication. Comment t'as les gars? Merci beaucoup. Vas-y les gars. Dis-moi Edouard, je voudrais avec mes amis, on voudrait louer. Écoute-moi bien, nous on n'est pas ici, tu vois. Nous c'est au standing. On voudrait un l'appartement le plus éclaté possible. Il a la classe quand même. Hein. Pour... Si tu veux, j'ai une chambre. Il a la classe quand même. 500 dollars. Waouh. Eh, Kefta, ça te dit une chambre d'hôtel? Ouais, ouais. Ben on connaît un hôtel justement. On sait où. Vas-y. Attends. C'est le truc le plus éclaté possible. T'as pas un petit peu moins cher bon, après, plus c'est éclaté. Pas le meilleur. T'as pas mon. Y'a pas le plus éclaté encore. Est-ce qu'on peut visiter ou pas? Ouais, y'a pas de soucis. Bah, on va visiter. Et on voudrait bien visiter après le truc qui est juste au-dessus, un peu moins éclaté. Le plus classe. Comme ça, on compare. Ça marche. Et bah, pour c'est moi, parfait. Le plus classe de tous, c'est lui. Ouais. C'est Edouard, hein. Edouard. Le plus classe de tous pour moi, c'est lui, frère. Oh là 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 là. Non, tu mens. Ah si, arrêtez. Ulquiorra, il a trop la classe. Nickel. On monte avec vous ? Kenpachi, tellement dessus. Non, Kenpachi, c'est le meilleur. Non, mais Kenpachi... Attendez. Non, mais Kenpachi, il a le charisme et tout, tu vois. Mais il est trop bien, celle-là. Ouais, il est bien. Bah, je pensais que c'était une Dacia du bled, taxi. Ah ouais, t'abuses. Et donc, tu trouves ça trop bien, toi, une Dacia ? Roya, hey, Roya, une fois j'ai fait Casablanca, Marrakech, en Dacia, et j'ai cru que j'avais fait France-Maroc, Roya, tellement c'était inconfortable. Voilà, j'avais plus de cul, Roya. Non, ça, tu l'as vraiment fait, sale fou. Voilà que je l'ai fait, Roya, Dacia, Casablanca, Marrakech. Au lieu de mettre 2 heures, voilà, j'ai mis 8 heures. J'avais plus de cul. Voilà, j'avais plus de cul, Roya. C'est grave. Bon, chaud. Vous avez une zone particulière qui vous intéresse ou pas? Une zone... Kefta, je te laisse. Une zone... bah, la zone qu'on avait dit, non? Où on était l'autre jour, là? La zone où était l'autre jour. Ah, à côté des wagons, ça? Ici, venez ici. Ah, tu penses, on retourne à côté des wagons, quoi? Non, mais là, en fait, si tu veux, genre, il y a plein d'hôtels maintenant. T'es pas obligé d'aller là-bas. Ah, mais je sais pas, tu vas aller où? Bah, go à côté des wagons, c'était bien là-bas. Ouais, ou bien chez les Familiz. Moi, je suis pote avec les Familiz. Ah bah, vas-y, go. L'assurance ne couvre pas les dégâts en cas de fusillade. Hein. Ah, vous dites ça parce que c'est des noirs? Oh non, c'est grave, monsieur Edouard, c'est abusé, non, ce que vous dites alors, là. On a dit Vagos et Vagos m'ont déjà braqué, c'est pour ça que je dis ça. Non, Familiz. Ok. Bah, mettez-moi un point exactement sur le et l'adresse, bien sûr, avec le grand plaisir. Comme alors. Ça, je peux appeler le propriétaire et voir son appart. D'accord. Alors, où est-ce qu'ils sont ces mecs-là? C'est vers le carouage, on est d'accord, hein? Qui ça? Les familles, là, c'est vers le carouage. C'est là, c'est exactement ici. Exactement là? T'es sûr de toi? Ouais, exactement là. Ouais. Attends, j'appelle la famille pour dire, je vais voir si ça te dérange pas. Alors... Ça va, monsieur Edouard? Oh bah, monsieur Edouard, c'est vous que j'ai eu au téléphone? Concernant une éventuelle offre d'embauche. C'était pas lui. Ah non? Non, c'est pas moi, non. Après, si vous voulez toujours passer un entretien, je pourrais m'occuper des recrutements. Ah, bien Kouya, Kouchiki. Vas-y, réponds pas, de toute façon, on s'en fout. La ville ne leur appartient pas, hein. Vous avez le droit de louer à côté. Il existe, hein. Ouais, mais après, voilà, c'est... Ah, lui risque et péril. Exactement. Un risque et péril. Sans plus, hein.
On dirait juste un lunaire. Moi j'aime bien me lever le soir, tu vois, pour manger direct, donc faut pas qu'il soit très loin du fast-food non plus. Ouais, surtout. À côté de l'église, c'est pas mal aussi, mais pas trop proche non plus. C'est transformé en orientation sud-ouest avec ensoleillement pleine lune à partir de 22h. Ensoleillement pleine lune ? Ouais, ça existe. T'as dégossé, bah oui, père Bédard, hein. Bah quoi, mais en bien, plus, moi. Il est très exigeant quand même, non ? À côté des pompées, parce que Roya, je suis un fétichiste des uniformes. Alors, c'est pas pour être négatif, hein, mais c'est genre de... Là, on est chez les Ballasses, là, ça... C'est Ballasses, c'est... Oh, vous en faites pas, ils vont pas nous agresser, j'espère pas. Non. Là, c'est bien à droite, là, non ? C'est chez les Ballasses, c'est... Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. On peut prendre n'importe quelle maison, là ? Oui. Ah bah vas-y, go ! Bah vous oui, êtes... mais tu vas aller où alors ? Vous êtes sûr de vous là dans ce... Ouais, là on est bien, on est au milieu de tout et tout, c'est bien, il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. Là on est... Là c'est sûr, on finit en vie. celle juste derrière, elle est bien derrière. Derrière ? Ouais, celle-là, petite. Celle-là là. Voilà. Voilà, celle-là elle est. Ah ouais, Roya. Alors celle-là, vraiment, j'ai le top. Hein. Mihawk. Ah, mais ça c'est autre chose ça. Ça c'est One Piece. Oh, déjà, mais les personnages de Bleach, ils ont la classe aussi. Attends, attention. Attends, cette entrée là ou cette entrée là-bas ? Les persos qui ont le plus de classe pour vous dans quel manga, les gars ? Elle est plus éclatée, elle est juste là. Bon, moi je vais vous lire One Piece, hein, bien évidemment. T'imagines comment elle est éclatée l'entrée ? Oh là là. C'est le cabane ! C'est exactement ce qu'on veut ! Ça, c'est exactement ce qu'on veut ! C'est parfait, monsieur. Juste là. Attends, moi tu ramènes la meuf ! En plus, il y a un garage juste là et tout. Ah, tu lui dis, vas-y, viens chez moi. Attends, mais comment on sort la voiture ? Oui, on met ça, ouais. Mais attends, mais on peut pas sortir la voiture du garage, là ? Non, mais t'inquiète. Il y a un garage juste à côté, regarde, on s'en bat les couilles. Vas-y. Déjà, quelle voiture, déjà, de base ? Quel garage, quelle voiture ? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Je vous laisse rentrer, les gars. Allez, c'est vas-y. Ouais. Du coup, c'est une cabane qu'on a ? Ouais, c'est ça. Ça va ! C'est... Les gars, on a un lit pour trois, c'est magnifique. Hamid, il va dormir là, à l'intérieur. Ouais, par contre, les toilettes sont bouchées, ça se voit que les toilettes ils sont bouchées. Non, mais c'est stylé de fou. Ah, monsieur, franchement, c'est parfait. Nickel. Ça va encore. Ah, c'est exactement, mais c'est encore mieux même. C'est mieux. Attends, c'est combien? Non, mais t'inquiète, c'est bon, je paye. C'est mieux que ce que je pensais en fait. Vas-y, c'est bon pour moi. Ok, bah attendez, je vous laisse. Eh, moi je peux payer, j'ai de l'argent, j'ai 6 500 $. Non, c'est bon, on s'en organise après, vous inquiétez pas. Ah. Hop, du coup, qui va signer le contrat ? C'est moi ! Et c'est Arhanez. Le mec le plus stylé, c'est Zoro Juro, y'a aucun débat. Chante, il a plus de style que Zoro. 450, y'a un coffre ou pas avec ? Chante, il a plus de style que Zoro, arrêtez les gars. C'est combien la capacité ? Là, vous êtes à 50 kilos. On peut l'augmenter ou pas ? Malheureusement, non, pas sur non. Ce genre de... Ouais, je vois le délire. Vous voyez la superficie tu... De quoi ? C'est quoi ? Le coffre, 50 kilos, ça suffira, mais il ne peut pas faire plus. C'est fait. Ouais. Merci beaucoup, Afro-Sénine. Par exemple, pour les appartements à 1 500 $, c'est 300 kilos ou plus. D'accord. Et c'est quoi les appartements les plus chers ? Pour l'instant, c'est ceux à 8 500. On peut en visiter un juste pour avoir mal au cœur ou pas ? Bien sûr, bah attendez, je vous donne au moins les clés de cet appartement. Oui, t'as déjà signé, ça y est ? Bah là, j'ai payé. Non, attends, laisse-moi, j'ai payé. Oh. Voilà, la clé, alhamdoulilah ! Je vous laisse juste regarder si le coffre, vous pouvez l'ouvrir. Vous pouvez donner un double des clés à mes collègues ou pas ? Pour l'appartement ou pour le coffre ? Pour les deux. Eh bah pour le coffre, venez déjà. Merci beaucoup ! Waouh, c'est stylé de fou ! C'est bon, donc je vous laisse aller essayer aussi. Clé de logement et tout ? Oui. Hop, je vous laisse aller essayer, je vous ai donné les clés là. Merci. Hop, moi, je et vous, monsieur, derrière. Attends, j'ai dit. Moi aussi, s'il vous plaît. Hop, et je vous laisse aller essayer aussi. On peut C'est bon ? Attends, j'ai trouvé ça dans la penderie. C'est bon, monsieur ? Non, ouais, c'est bon, normalement, allez essayer les clés, allez-y. Hop, très très bien. Je les essaye comment les clés là ? Rien. Bah, pourquoi ? Ah ! Hein ? Qu'est-ce qui. Arrête de me faire ça, c'est pas la première fois. Wouh ! Qu'est-ce qui se passe là ? Il est hanté l'appartement ? Non, le coffre il est fermé pour moi. Moi c'est pas bon hein. Bah attendez, je vais essayer de vous faire un double des clés à l'agence et. Moi j'ai qu'un truc à dire. Ah attendez. Ouais. Ouais, je vois, il y a un petit truc là. Il y a un petit truc.
Et j'y arrive. Ah là, j'ai que ça à dire, frère, c'est bon. Hop, les petits mails. C'est bon, c'est bon. Ouais, non, j'ai même pas envie de montrer la suite. J'ai même pas envie de montrer la suite, en fait, tellement c'est incroyable. J'ai même pas envie de vous montrer la suite, vous allez me dire, mais non, c'est abuse. C'est bon, frère. Ouais, regarde. Non, non, moi, les clés, non, non, c'est... C'est une falsification de clés. Ouais, ouais, ouais. Attendez, je... Non, la clé elle rentre pas dans le coffre. Y'a pas de soucis, je vais essayer après. Bah, du coup, je vous rends la clé, monsieur. Merci. Donc, vous voulez aller voir l'appartement, monsieur ? Doda, Teach. Y'a. Monsieur ? Voilà ! C'est bon, on y va ? Ouais. Bah, j'attends plus que vos collègues, du coup. Mais c'est quoi votre nom? Parce que depuis le début, j'ai pas votre nom. Moi, c'est Hamid. Hamid, ouais, ça, je sais. Monsieur. Moi, monsieur. C'est Monsieur Kefta. Monsieur Kefta. Ouais. Mouloud Kefta. Moi, c'est Mathieu, c'est Mathieu. Alors, attendez. Mathieu, on a juste un petit peu le mail. Il n'y a pas de souci. Non, mais je... Ouais. En fait, monsieur, je peux vous dire un truc? Dites-moi. En fait, il y a un fantôme dans l'appartement. Ah, merde. Ouais. Vous croyez qu'il nous entend? Et regardez, c'est un fantôme, regardez ce qu'il m'a donné ce fils de pute. Ça, je l'avais pas dans mon sac. Regarde, j'ai reçu ça. Mais voilà. Peut-être qu'il essaie de vous restyliser. Ça, tu vois, il y avait un putain de fantôme. Donc là, je vais appeler un dératiseur, un Ghostbuster. Il faut qu'on exorcise à plus tard la chambre d'hôtel, d'accord? On verra ça plus tard. Ouais, ouais, je te jure. Mais on pourra dormir ici ou pas? Oui, oui, j'espère. On pourra dormir ici? Oui, 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 on pourra dormir. Si je vous ouvre la porte, vous pouvez rentrer tranquille. Mais de toute façon, je vais vous donner le double clé des logements, donc... Ok, parfait. Bah, on peut sortir, alors. Bah, super. Attendez, comment je fais pour fermer la porte, derrière moi? Merci pour les 30 minutes, sachez, avant d'aller dans ce que je sens. Je fous les clés. Je veux rien savoir. Les gars, je vous parle de... c'est vrai, y'aura une guerre. Du coup, ok, c'est bon, elle est fermée. Essayez de rentrer. Non, je peux juste sonner. Ah ouais, je peux juste sonner aussi. Allez hop, c'est à moi. Et envoie un double décli. Bah attends, j'en ai qu'une seule pour le moment. Ah merde. Faut passer à la joie, je vous faudrait fais attendre. Attends, j'ai cette merde là. Ah. Je savais que ce quartier c'était pas une bonne idée. Pourquoi, y'a quoi? Ah. Bah c'est pas grave, y'en a un autre là-bas. Ah bah non, y'en a plus. Putain, on a la pire maison quand même. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le véhicule, il est où? Je pense que c'est le quartier où on est, il y a sûrement quelqu'un qui a dû... Oh, les fils des pites. Ça. Ah, putain. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Vas-y, j'arrive, j'arrive. Ah, moi, je vous ai dit, je suis pas policier, hein, je suis agent immobilier. Hein. Tant qu'on peut se dépasser. Nous aussi, on est agent immobilier. Ah ouais? Et du coup, faut qu'on repasse à l'agence pour donner les clés? Pour que je vous fasse le double, ouais. Après, un seul peut me suivre et vous donnera les clés par la suite. Hein. Vite, je l'ai volé, Kefta! J'avais jamais capté. Kefta, monte! Ouais, j'arrive! Ils vont me tirer dessus, rien! Les cicatrices te vont si bien! Oh putain! On est pas dans la merde. Alors, c'est où? Devant un mais toi, c'est chez nous maintenant. On sait pas d'où elles viennent ces cicatrices, nous, non? Je vous ai mis un point sur votre GPS. Parfait. Alors attendez, je vais regarder un truc. C'est lui qui lui a fait? Je me rappelle plus quand. Attends, j'ai une mémoire, mon pote. Il lui a fait comment? Je me rappelle plus. Vous faites quoi dans la vie, vous? On sait pas. Ah, oh, okay. On baroude. Ah non, moi je fais une formation dans l'astronaute, mais je vais être agent IMO d'abord pour voir un peu. L'astronaute chez les mécanos? Non, j'ai pas de travail là. Ah ouais. Je suis à la rue. Ah ouais. Ah ouais, tu dis astronaute parce que tu regardes, tu dors à la belle étoile, tu vois les planètes et tout ouais, ça. Ouais, voilà, c'est pour ça. Ah ouais, d'accord. Astronaute, égal. C'est un chose, vous êtes malade. Voilà, c'est un astronaute. Non, je lis pas les scans. Ok. Eh bah. Non, quand il était petit, il a perdu le bras, c'est tout. J-Wolf, merci beaucoup pour ton 7ème mois, mon pote, merci beaucoup. Ah ouais? Thank you very much. Bah, normalement, je m'occuperai du recrutement prochainement, là, parce que pour l'instant, on est plus sur les ventes. Comment ça se fait? Bah, parce que là, on a trop de clients, donc on n'a pas le temps de recruter. Ah oui, oui.
Justement, si vous avez trop de clients, faut recruter comme ça. Ouais. Mais là, c'est ça aussi. Non, mais je suis d'accord, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tout à l'heure, je t'aurais dit non, je recrute. Bah, Cyrine, c'est pas de vendre. C'est vrai, ça. Ouais, tu peux pas tout faire, Cyrine, ouais. Ça, c'est vieux. Je regardais ça, j'étais petit, ouais. J'avais l'âge à Cesco. Et monsieur, si. Avec ma clé, là, je peux l'ouvrir mon appartement tranquille, là, on est d'accord, hein. Ouais, y'a pas de soucis, normalement. Vas-y, ça marche. Mais au pire, si vous avez un souci, vous passez à l'agence, on fait un changement de serrure, tout ça. Vas-y. On est arrivé! Kefta, il te faut quoi? Il faut taper rouge? Non, attends, j'enlève la ceinture, t'as comment les serrer, croyant? T'as grossi ou quoi? Attends, mais on est où, là, encore? On va visiter l'appartement de la ceinture, c'est comment, là? Ah, mais prends, on va se faire mal. Bah, croyant, bah, juste pour. Comme ça nous motive, croyant, à faire des supérettes. Ah ouais, c'est vrai. À travailler, tu veux dire? Oui, à travailler. Alors je vous propose l'appartement 161. Non, commence pas. 161, avec le plus grand des plaisirs. Ne commence pas. Vraiment, Cyrine, ne commence pas, vraiment. C'est trop tard, c'est bon, on s'est sorti il y a 20 ans. Ouais. Chose, hein. Franchement, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Ouais, il n'y a rien qui change. C'est pas. Ce que j'avais avec. C'est pas fou, hein. Bidon. Je vois pas la Jeff en fait. Franchement, je préfère l'autre, hein. Y'a plus de charme. Y'a peut-être un. Appart normal. C'est vite fait, hein. C'est bidon, hein. Bidon. Non, bah, bidon. Bidon. Bon, monsieur Edouard, vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? De base. Les gars, qui se souvient ici la scène avec Amine et Nini, je sais pas quoi. Ah, c'est incroyable, mon frère. Ah. Viens, Kefta, viens. Ouais, bon, ça va, c'est vite monsieur, fait. Monsieur Edouard, on a bien réfléchi, hein. De base, on voulait vraiment pas le prendre, mais si vous arrivez à nous convaincre avec 3 arguments, on le prend tout de suite. S'il vous plaît. Si vous arrivez à nous convaincre avec 3 arguments, ouais, on le prend tout de suite. S'il vous plaît. Prenez-le. Ah non. Mais non, mais des arguments, la vue, la grandeur. Des manières immobilières. Le fait qu'on... Vendez-le cet appartement, déjà il est pas terre-terre. Déjà pour commencer, vous avez une grande luminosité due à sa, d'accord, à sa belle, son beau vitrage. Vous avez de plus, au niveau du stockage, plus de 300 kilos. Donc, j'avoue. Ah, là, c'est bon. Hayat est rentre là. Et de plus, ici, vous avez un Nini garage. Vous pouvez nous faire visiter depuis le début, l'entrée, tout ça, s'il vous plaît. Bah allez-y, suivez-moi. Oui, allez, genre une vraie visite, on va voir. Une vraie visite, quoi. Comme ça, on prend note, comme ça, si jamais ils nous embauchent, jamais on copie, tu vois. Vas-y. Eh ouais, Roya. T'es pas con, toi. Oh, j'ai soif, putain. Moi aussi, je viens de boire. J'en suis à Wano. De quoi? T'as un bon ou pas? C'est bon, c'est bon. Pour commencer, votre voisin, c'est un voisin très calme, y'a pas de soucis, donc au niveau du bruit, y'aura personne. Ça va, les riches? Tranquille, on vous dérange pas trop, bande de chiens de la casse. Ah oui, alors après, il y aura sûrement des plaintes si vous faites ça. Non, mais c'est juste pour tester. Non, mais c'est une démo. C'est pour tester la richesse des gens, c'est tout. C'est une démo. Mmh. C'est pas... Eh, hey, ils tiennent bien ces tableaux, monsieur? Oh bah, vous pouvez frapper, vous en faites pas. Hein. Ah oh, enfoiré. Ouais, oh, ouais, ça... Ouais, ouais. Ouais, non, ça tient bien. Non, ça tient bien, c'est bien, c'est du... C'est costaud. Non. C'est du solide. C'est costaud, ouais. C'est grave. Et après, on va visiter quoi? Et après? Ah, on vous suit, monsieur, après vous. Bah, pour commencer, déjà, je vous invite à rentrer dans l'appart. Putain, il y a des tableaux partout, quoi, c'est abusé. Ouais, c'est ouf. Hein. C'est le luxe, hein, le grand art. Donc, pour commencer, vous avez une entrée plutôt assez moderne, donc avec du bois principalement. Oh là là. Donc, c'est dire sa mère, hein, putain. Vous comptez taper dans tous les murs? Non, mais en fait, j'aime bien savoir si ça. Attends, mais c'est comme ça qu'on teste, monsieur. Regarde, des fois, il y a des passages secrets. Regarde. Là, ça sonne creux, tu vois. Et là, tu vois, c'est plein. C'est bien, il y a un passage ici. Non, mais vous avez c'est le contraire, rien. Mais non, si c'est creux, c'est qu'il n'y a rien dedans. Oui. Ah, si c'est creux, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Si c'est plein, c'est qu'il n'y a rien derrière. T'es trop fort, Roya, toi, en trésor. Je sais, Roya. Mais c'est pas un trésor, c'est un avion bancal, en fait. Ça s'appelle un avion bancal. Attends, viens. Un avion bancal, ça, je connais pas. C'est dans le jargon, on appelle ça un avion bancal. Allez-y, monsieur Edouard, excusez-moi. Allez-y, monsieur Edouard, désolé de vous importuner. Non, mais je prends. Mais c'est donc, je peux vous poser une question? Allez-y. La première fois que vous avez eu la calvitie, vous êtes dit quoi? Non, mais non, c'est personnel ça, qu'est-ce qu'il raconte, toi?
C'est grave. Non mais on sait jamais un jour j'ai une calvitie. Parce que là vous avez quand même une bonne calvitie. T'as une grande beauté sur le cou, Roya, va consulter Roya. T'as vu, il est balèze. Non mais pourquoi on appelle ça un grain de beauté? Il est beau. Parce que c'est parce beau, que c'est, voilà. C'est dégueulasse. Non, c'est beau. Et pour répondre à votre question, je pense que j'ai regardé mon père et je lui ai fait ah le bâtard. Pourquoi il est comme vous? Ah bah c'est pire que moi maintenant à son âge. Ah ouais, ah donc toi tu